continuité de l'enseignement que j'ai donné mardi soir, je pense. Hein. Chacun de nous rendra compte de soi-même. C'était ça le titre. Hein. Et aujourd'hui, je vais continuer justement cet enseignement qui est justement un enseignement qui nous fait vraiment pas seulement réfléchir, mais aussi il nous met en action vraiment de marcher en sainteté et en sainteté vers l'Éternel. Alléluia. Alors, shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse. Alors, on pourra commencer à décoller un petit peu, même, sur l'enseignement. Alors, on va lire un passage on va commencer par un passage de la parole de Dieu, de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Si quelqu'un veut le lire. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Je vais le lire, Lorenzo. Ouais. Matthieu 24, à partir du verset 45. Hein? OK. OK. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous les autres serviteurs de la maison pour leur donner leur nourriture en temps opportun? Tout ira bien pour ce serviteur s'il est en train de faire son travail quand son maître viendra. Oui, je vous le dis, il lui confiera la charge de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira en lui-même: mon maître tarde, et se mettra à battre ses compagnons de service et à passer un temps à manger et à boire avec des ivrognes. Alors son maître arrivera un jour où le serviteur ne l'attendait pas, à l'heure qu'il ne connaissait pas. Il le mettra en pièces avec les hypocrites, là où les gens pleureront et grinceront de dents. Amen. Amen. Alléluia. Donner la nourriture au temps convenable. Hein? C'est-à-dire, là, on parle vraiment d'un enseignement qu'il faut donner au temps convenable. Et cette nourriture, ou on va dire l'enseignement, consiste à nourrir une Keïla. Car sinon, elle meurt. Elle meurt. Et ceci appelle quelques réflexions parce que cette fonction requiert certaines qualités. D'abord, c'est de l'organisation et de la foi. C'est-à-dire que dans celle d'une Keïla, il faut de l'organisation, il faut vraiment avoir la foi. Et Yeshua, il nous enseigne et il dit dans Luc chapitre 9, versets 13 à 16, il nous dit: donnez-leur vous-même à manger, j'ai dit de la nourriture. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Au moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Oh, il y avait environ 5 000 hommes. Et là, ça me semble quelque chose de très prophétique. Les pains, les vins, le pain et les poissons, c'est-à-dire, c'est vraiment prophétique. Pour moi, les 5 pains, ça pourrait être aussi les 5 livres de la Torah. Et aujourd'hui, justement, pour être enseigné, il faut justement s'étudier, il faut absolument être dans la parole, il faut l'étudier tous les jours. Et d'ailleurs, les 5 pains, ce qui
représente ces 5 livres de la Torah, ils doivent être à l'intérieur de nous, dans notre vie. Et jamais ils partent, parce que ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut, que nous soyons vraiment très fidèles à ça. Hein? Alors, pourquoi 5 pains aussi, une grande foule, et justement avec 5 pains, le Seigneur doit nourrir 5000 personnes. Et voilà que le miracle arrive, que les 5 pains, ils se multiplient. C'est comme la parole de Dieu, il va se multiplier pour encore rassasier. Et les 2 poissons, pour moi, représentent vraiment ceux qui gardent les commandements, ceux qui gardent le témoignage. Les 2 poissons, c'est la maison d'Israël. Ça peut être aussi la maison de Juda et d'Éphraïm. Les 2 poissons qui amènent avec lui les 5 pains, qui doivent être, la parole qui doit être publiée dans le monde entier, et que le Seigneur rassemble justement les 5 vierges, on va dire, avec l'enseignement des juifs pécheurs. D'ailleurs, le Seigneur a dit, c'est lui qui veut marcher derrière moi, je le ferai un pécheur d'homme. Alléluia, quelle bonne nourriture le Seigneur nous donne. Alléluia, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, magnifique. Mais il faut voir de la prévoyance. Nous voyons que Joseph, aussi il faut avertir qu'il y aurait 7 ans de vaches maigres. Hein? Et pour cela, il y a eu l'intelligence d'engranger du blé durant 7 ans. Et aujourd'hui, les temps, ils arrivent presque la même chose. C'est-à-dire que dans les temps dans lesquels nous vivons, il y aura des temps justement d'emmagasiner et de mettre de côté pendant la famine qui bientôt il arrive. C'est, pour moi, c'est très prophétique, parce que la famine, il est devant nous, et on attend le bruit des chevaux de l'Apocalypse. Et un des chevaux, c'est un cheval pâle. Souvent, la plupart de nous, même dans l'ensemble, on commence avec l'enseignement de dire, voilà, le premier cheval, c'est le cheval blanc qui va venir. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire... On ne peut pas vraiment définir qui va être le premier cheval de l'Apocalypse qui va se manifester. D'ailleurs, il y a des signes qui doivent précéder aussi l'antimachiach. Hein? Et ça peut être aussi autrement. On ne sait pas. Mais une probabilité, c'est que toutes ces famines, toutes ces choses, toutes ces guerres, ils arrivent afin que le machiach, à la fin, à la place d'être le premier, peut-être c'est le dernier, qui va venir mettre la paix et rétablir justement la séduction dans le monde entier. Mais le rôle justement de la Keïla, c'est justement de se tenir toujours prêt, et nous savons et nous croyons aussi par la foi qu'au moment où l'antimachiach va apparaître et que lui-même il va persécuter la femme, c'est-à-dire les saints, il va persécuter les élus, le Seigneur mettra en refuge. C'est pour cela que l'Apocalypse chapitre 12, il nous enseigne que la femme, il y aura des ailes pour s'en aller dans le désert et pour être loin de la face du serpent, pour que nous passions un moment vraiment de préparation pour le royaume de ce que l'Éternel, Yeshua HaMashiach, va établir avec ses élus. Mais ce sont toujours des suggestions que je donne, mais ça peut être aussi que l'enlèvement, ça peut être aussi avant, mais c'est-à-dire nous ne savons pas parfaitement comment les choses vont se dérouler, parce que l'avenir et la perfection du futur est uniquement et seulement dans la main de Dieu. Il n'y a que lui qui connaît le futur. Mais nous devons être toujours sobres, mais nous devons être toujours prêts. Nous ne savons pas quand le Messie va venir. Mais dans ce temps de famine, surtout maintenant, il faut mettre de côté. Il faut mettre de côté ce que Joseph avait prédit. Pendant 7 ans d'abondance, ils ont mis 7 ans justement de nourriture, de toutes ces,
parce que la famine, ils arrivaient, et justement, avec les 7 ans de préparation, ils pouvaient faire face à la famine. Et aujourd'hui, je pense que si on n'est pas prudent et si on n'est pas prévoyant, ça peut arriver de la même manière. Alors, de la même manière, nous savons que les temps difficiles viennent, il faut donc engranger la parole de Dieu dans nos mémoires et dans nos cœurs. Prévoir que la survie de la Keïla sera peut-être dans les églises de maison, dans les Keïlas de maison, et que pour cela, les chefs de famille doivent être aussi préparés. Il faut avoir du discernement. C'est pour ça que c'est vraiment... j'ai une pensée que moi, j'ai dans mon cœur. Hein? Il faut avoir vraiment du discernement. Il faut apprendre vraiment à discerner quand le peuple a faim et ce qui convient de lui, de lui donner comme nourriture. Alors, s'il a faim, il faut vraiment donner la nourriture qui convient. Un peuple mal nourri s'affaiblit et s'endort. Hein? Il faut bien le nourrir. C'est pour ça que Matthieu, chapitre 15, de 32 à 38, c'est un bon passage. Et ça, on va le lire. Si quelqu'un veut lire, ça me fait vraiment plaisir. C'est une belle petite verset, si on peut le lire. Hein? Si quelqu'un veut le lire... Oui, je veux bien, Lorenzo. Ouais, vas-y. Donc, Matthieu 15, à partir du verset 32. Yeshua appela ses tamidim et dit, « J'ai de la peine pour ces gens, car cela fait 3 jours qu'ils sont avec moi et maintenant, ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer affamés, de peur qu'ils ne s'évanouissent sur le chemin du retour chez eux. Les Talmidim lui répondirent, « Où trouverons-nous assez de pain dans ce lieu isolé pour satisfaire les besoins d'une foule importante ?» Yeshua leur demanda, « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent, « 7 et quelques poissons. » Il demanda alors à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, fit une bracha, rompit les pains et le donna à ses talmidim, qui le distribuèrent à tous ceux qui étaient présents. Tout le monde mangea à sa faim, et ils ramassèrent ses grands paniers remplis des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Après avoir envoyé la foule, il monta dans la barque et se rendit dans la région de Mahadan. Amen. Amen. Un test vraiment particulièrement important à cette fin des temps. Certains théologiens vraiment braves, certains disent la maison d'Israël, j'ai la maison de Juda et d'Éphraïm, les 2 poissons, et la grande foule, les 5 pains. C'est-à-dire que ça va être la première résurrection, c'est ça l'ensemble, justement, du pain, le pain et le poisson. C'est ça que certaines pensent aussi, hein? C'est pas mal. Mais, bien entendu, la fonction d'enseigner est partagée. Car, que fait celui ou celle qui a reçu la nourriture? Que fait? Dès que l'enseignement est partagé, la responsabilité aussi est partagée. On ne peut plus dire « je ne suis pas responsable et je ne savais pas ». D'ailleurs, dans Luc, chapitre 12, verset 48, le passage il dit « on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié ». C'est-à-dire, prévoir l'avenir, c'est aussi placer la parole de Dieu dans le cœur des enfants qui auront plus tard la charge de la Keïla. Et en Proverbe, chapitre 22, verset 6, le passage dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas.
C'est pour cela qu'il faut toujours, d'ailleurs le peuple juif enseigne souvent et dit, inculque ta parole, inculque la Torah, inculque les enseignements, les commandements, de petit et de petit jusqu'à grand. Il va toujours se souvenir et c'est comme ça qu'on ne va pas se détourner de la parole de Dieu. C'est pour ça que le peuple d'Israël est resté un peuple fidèle, fidèle en gardant la parole. Et enseigner est aussi un travail des sentinelles. Des sentinelles, c'est-à-dire, nous devons être des sentinelles, comme c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Vous imaginez la responsabilité que nous avons tous devant Dieu comme sentinelle? C'est pour cela qu'on doit rendre compte à Dieu de soi-même, de tout ce que l'on fait. Et il est clair qu'un jour, nous devons rendre des comptes. Et c'est vrai, parce que c'est écrit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est ça que c'est écrit dans Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez, c'est-à-dire obéir à ceux qui vous conduisent et ayez pour eux de la déférence. Parce que les responsables, ceux qui sont appelés par le Seigneur, ils veillent pour les âmes de la communauté. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, vraiment. Alors, la fonction, d'ailleurs, la fonction de conducteur et d'organisateur, pour que l'Église, qu'il a, puisse remplir pleinement son rôle, se développer et mûrir, il y a bien entendu de nombreux conseils dans la nouvelle alliance. Il y a aussi les ministères. D'ailleurs, il y a plusieurs ministères que la parole de Dieu nous apporte selon le conseil que la Bible nous enseigne. Mais tous ces ministères que Dieu nous donne doivent être justement tous conduits par amour et sous la conduite de la Ruach HaKodesh. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous pouvons faire avec amour, ainsi avec amour, nous pouvons obéir et faire le travail que le Seigneur nous a confié à nous. Et tout ce travail, il se fait uniquement par amour. Il se fait dans la joie. Et tout ce qu'on fait dans la joie, c'est pour rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Exode, chapitre 18, verset 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y souffrir et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. C'est ça que ce passage dit. Et lorsque cette organisation fut prête, alors Moshe put passer du temps dans la présence de Dieu, car c'était son rôle principal pour conduire fidèlement ce peuple. Et pour conduire fidèlement le peuple, il faut lui-même déjà se consacrer, lui-même déjà se mettre sous la présence de Dieu. Parce que si un responsable, il ne marche pas sous la conduite de Dieu et n'est pas régénéré, sanctifié, consacré, être mis à part, comment il peut conduire aussi une communauté? Comment il peut conduire justement un troupeau? Car lui-même, il doit être exemple et il doit le faire vraiment avec le cœur. Et Moshe, c'est aussi l'exemple. D'ailleurs, Moshe est représenté dans la Torah. Le grand berger, c'est lui qui est l'image typique de Mashiach. C'est lui qui a conduit un peuple énorme, très grand. Mais nous savons toute l'histoire qu'à un certain moment, il devait quand même donner de la tâche. Et c'est son bon père, Jéthro, qui a de dire, écoute, le peuple, il est grand. Il faut vraiment faire des anciens dans cette
famille, dans ce peuple, et tu verras que la tâche, il va être moins lourde. Et c'est ça qu'il a trouvé très bon à l'Éternel, vraiment de constituer vraiment des anciens. Alors, et d'ailleurs, Exode 19, verset 3, il dit, Moshe monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parles ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aussi, et tu diras aux enfants d'Israël, et ensuite, c'est-à-dire, pour entendre la parole de Dieu, il faut monter vers la montagne. Et c'est là que l'Éternel a parlé à Moïse en disant, voici comment tu dois parler au peuple. Alléluia. Et une fois libéré de ces choses journalières, Moïse a pu rencontrer Dieu et recevoir les lois et la conduite. C'est ainsi qu'il doit en être dans la Keïla. Car si les conducteurs spirituels se trompent de cap, c'est tout un peuple qui risque de s'égarer. C'est ça le risque. D'ailleurs, il y a un passage qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, ce passage il dit, « Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Oh, ce passage, quand je l'ai lu, combien de fois je l'ai lu, hein? Et c'est quelque chose qui travaille mon cœur et aussi qui travaille le cœur à nous tous. C'est Paul qui est conduit vraiment par l'Esprit de Dieu à exhorter la Keïla de Corinthe. Je vous exhorte, frère, dans le nom de Yeshua Mashiach, que nous tous, nous devons avoir un même langage. Et des fois, on se demande pourquoi il y a des langages étrangers qui se manifeste au milieu de nous. Mais si maintenant nous n'avons pas un même langage, si nous ne marchons pas avec un même langage tous ensemble dans une direction conduite par l'Esprit, il y a facilement des divisions qui peuvent se créer au milieu de nous. Et comme il dit Paul à l'Église de Corinthiens, « Mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas hein, dans beaucoup d'assemblées. Mais il faut y arriver. Il faut quand même croire à la parole de Dieu que si on n'arrive pas à ça, on n'arrive pas à aller trop loin dans le service de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 18, ce passage dit, « Si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » En paix avec tous les hommes. Ça peut arriver des choses au milieu de nous, mais il faut toujours rester en paix avec tous. Il y a eu aussi des problèmes entre Abraham et aussi Lot, mais la réponse la plus sage d'Abraham était celle-ci. Si toi tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Nous sommes des frères, on ne doit pas se disputer. Mais ça, c'est vraiment être sage. Hein? Mais il faut rester en paix. Il faut essayer de rester en paix avec nous, surtout dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Et cette communion n'est pas toujours possible, des fois. Dans certains cas, il faut, dans certains cas, il faut des séparations quand vraiment la conduite n'est pas bonne. Hein? D'ailleurs, il y a aussi d'autres passages que l'apôtre Paul il nous donne comme exhortation dans 12 Corinthiens, chapitre 3. Ce passage nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Alors, c'est difficile d'avoir la paix avec des gens pareils, parce qu'ils sont amis de l'argent, ils sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, ça y en a, hein? Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traités, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et Paul, il nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est-à-dire, il faut rester en paix avec tous, mais il faut s'éloigner avec certaines personnes qui portent la confusion et la division à l'intérieur. Et Yeshua a prié pour l'unité des croyants, qui doit être maintenue dans la paix. Et cette communion est illustrée souvent dans la Bible. Par exemple, Exode chapitre 4, verset 16. Le passage, il dit, c'est Moshe et Aaron. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Moïse et Aaron, il parlera pour toi au peuple. Voilà comment cette communion est illustrée souvent dans la Bible, hein, par Yeshua. Et Yeshua bien l'a dit, il a bien dit, hein, et qu'il faut prier pour cette unité entre nous et maintenir cette paix. Il y a Josué et Caleb aussi. Il y a Élie et Élisée. Il y a tellement de passages qu'on pourrait lire. Les 70 qui ont été envoyés. Paul et Barnabas, hein, aussi. Paul et Sylla. Combien d'exemples on pourrait prendre dans la Bible concernant l'unité? Pourquoi l'unité? L'unité est utile pour se soutenir, surtout dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, plus que jamais, les moments difficiles, ils arrivent. Ils sont là. Et c'est là que maintenant, il faut agir. Comment doit être notre attitude et quelle est notre attitude devant tous ces temps, moments difficiles que nous passons? La Torah, il nous parle toujours. Alléluia. Se soutenir dans les moments difficiles. Avoir du succès dans les batailles. Se préparer aux batailles. Améliorer aussi les conditions de vie. Encourager aussi les frères et sœurs, les réformer aussi. Hein? Faire de grandes œuvres. Accroître la puissance dans la prière. Attirer les personnes à Mashiach. Combien de travail. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur tient à réserver un chemin particulier pour chacun. Et cependant, ce chemin s'inscrit dans un exemple avec les autres croyants, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et nous sommes complètement les uns et les autres unis. Alléluia! Il faut y arriver à cette unité. C'est utile pour se soutenir dans ces moments difficiles. Amen. Et aujourd'hui, je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, parce que les temps difficiles arrivent de plus en plus. Et si on arrive à faire un travail que tout est en commun, mais ça, c'est très difficile, on arrivera justement, parce que si on arrivera à être dans les maisons et dans les maisons, ce qu'on partage, c'est la parole de Dieu. C'est autant de la première Keïla. Et où il s'est caché? Dans les catacombes. Il s'est caché même pour faire le culte. Et aujourd'hui, si les lois ils arrivent à être beaucoup plus strictes, il faut s'attendre que des moments difficiles ils vont tomber dans quelques années. Alors, préparons-nous pour ces temps difficiles qui arrivent. Et serrons-nous les coudes les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Fortifions-nous les uns et les autres. Gardons-nous la parole les uns et les autres. Parce que c'est là que le véritable amour, il va se montrer dans le véritable croyant. Et nous avons besoin de cet amour qui puisse grandir dans notre vie. Et l'amour de Dieu consiste à l'obéissance des commandements de Dieu. L'amour consiste vraiment à nous maintenir en contact avec Dieu, parce que Dieu est amour. Et si nous, on manque d'amour, c'est comme on dirait, il n'y a pas Dieu. Mais Dieu est toujours là. Et si Dieu est toujours là, l'amour est toujours là, il est toujours présent. Et l'amour de Dieu ne vient jamais moins dans notre vie. Aujourd'hui, avec les rabbis, car je suis en contact tous les jeudis,
C'était vraiment c'est une heure et demie que nous passons ensemble et chacun de nous a une petite suggestion de 5-10 minutes que nous pouvons partager. Et le sujet, c'était vraiment sur l'action de l'esprit, sur l'amour, sur les choses plus simples. Vraiment, je vois vraiment des frères qui deviennent vraiment plus humbles. Et on n'est pas là pour étudier dans profondeur certaines choses, parce que c'est très important d'étudier vraiment en profondeur la Torah, oui. Mais surtout, pratiquons l'amour de Dieu, l'unité, essayez d'être unis les uns et les autres, demeurons dans cet amour qui ne doit jamais venir moins dans notre vie. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent, que, dont, surtout dans Corinthiens chapitre 13, que l'amour de Dieu ne viennent jamais moins dans notre vie. Et j'aimerais bien lire ce passage où il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, et j'aurai la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. » Alors, le verset 8, il dit que l'amour ne périt jamais. Alléluia. Que l'amour ne périt jamais. Alors, je le crois fortement, que cet amour ne périt jamais. Et demeure toujours. Parce que lui, il est amour et nous devons ressembler à lui dans le caractère d'amour que lui nous a apporté, qu'il nous a enseigné. Que cet amour puisse déborder dans notre vie. Et je crois qu'il n'y a pas un message plus grand que l'amour. Vous savez, quand nous, on fait une maison, on a les fondations d'une maison d'une hauteur de 6 mètres, ça peut vraiment arriver peut-être à 1 mètre ou 60 cm de fondation pour qu'une maison de 6 mètres tient. Des fondations, peut-être 1 mètre, maximum 2 mètres. Mais l'amour de Dieu, il est haute et profonde. C'est-à-dire, la hauteur et la profondeur, c'est la même. C'est pour cela qu'il faut y avoir des fondations vraiment aussi profondes comme la hauteur. C'est pour ça que l'amour de Dieu, dans la croix que nous voyons, et je crois où il a été cloué, nous pouvons voir vraiment cet amour haute, profonde et large. Et c'est le plus beau message de l'amour. C'est le message de Yeshua qui a donné sa vie pour nous tous et qui veut sauver encore des Juifs et qui veut encore sauver des gentils, des nations et qui veut rassembler surtout son peuple dans ces temps difficiles. Alors, encourageons-nous les uns et les autres, frères et sœurs, parce que Yeshua revient. Ce sont des temps difficiles qu'on va passer. Ça commence, Ruth vient de dire, la loi, bien sûr, mais c'est Dieu qui permet. Tout, Dieu permet tout. La machine, il est en route, et si la machine de l'antimachiav, il est en route pour qu'il vienne et pour que les persécutions arrivent, alors préparons-nous déjà. Préparons-nous déjà de la nourriture spirituelle. Et comme Joseph, justement, a été vraiment très sage d'avoir des provision justement pendant ces temps. Alors dans ces temps difficiles que nous vivons, mettons un magazine en nous-mêmes déjà de la parole, parce que même la Bible, l'enseignement de la Bible va être très rare, surtout aujourd'hui, surtout dans les temps qui courent. Alors préparons-nous pour les temps qui viennent. C'est ça que j'avais dans le cœur de vous dire aujourd'hui. C'est ça que je sens vraiment par l'Esprit du Seigneur de vous encourager avec cette exhortation. Et que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse dans le nom de Yeshua qui revient bientôt. Amen. 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 Merci, Pasteur Lorenzo, Frère Lorenzo. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Merci, Roé. Roé Greco. Merci, Roé. C'est bien. Ouais, moi j'ai entendu dire qu'il fallait aussi penser à des provisions dans le matériel. Donc c'est aussi important ça fait partie de la sagesse aussi.
si on est averti, de mettre de côté, je sais pas, des conserves, des lactofermentés. Absolument. Donc, il faut y penser aussi pour la fin de cette année-là. Enfin, c'est proche, quoi, apparemment. Vous savez, Anne-Marie, j'ai dit à tout le monde, chez moi à la maison, je suis en train de faire des travaux. Que, d'ailleurs, c'était des travaux que je n'avais pas besoin de faire. Hein. Mais justement, ce sont tous des travaux qui ont été conduits quand même par le Seigneur, parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut me montrer par après. Et moi-même, je dis, mais pourquoi faire ces travaux? De toute façon, je pourrais faire autre chose. Et même la remise qui est vraiment tout au fond, et je suis en train de faire le chauffage, de la bien faire tout, et peut-être ça va être aussi quelque chose pour que des personnes puissent aussi dormir, parce qu'il y aura aussi le chauffage, l'électricité, il y aura tout, c'est une pièce, et d'ailleurs il y a aussi la pièce pour la salle qui peut accueillir 50 personnes, parce que bientôt dans les églises, je pense que même la Beth Yeshua, même la loi va venir, qu'il faut être obligé vacciné pour y entrer. Et ça, c'est pas justement mon attitude, mon intention d'aller se vacciner pour aller dans une crise là, c'est pas le but pour moi. Pour l'instant, je pense Amen. Que pour le pass, il n'y a pas besoin aussi pour des lieux de culte. Je pense pas. Ça a vérifié, mais il y a quelques jours, j'avais regardé, c'était pas obligé. Donc, je ne sais pas. C'est pour maintenant, c'est comme ça. Mais on ne sait pas. Mais nous devons tenir compte que nous devons vraiment avoir la foi. D'ailleurs, le passage, il dit que le Seigneur donnera ordre à ses anges de ramener ses élus dans les quatre coins de la terre. Et c'est là la question. Aller où? C'est là que souvent, je dis que le refuge, il est dans le désert. Et il y aura des refuges aussi dans les nations et partout. Et d'ailleurs, dans la Bible, dans le psaume 91, ou 91, comme on dit en français, le refuge, c'est notre Dieu. C'est en lui que nous devons confier. Et nous devons surtout, aujourd'hui, demander à l'Éternel que lui, il est un refuge pour chacun de nous. Amen. Amen. Je vais laisser conduire. Hein. Moi, je sais que dans le groupe, il y en a plusieurs qui ont... Ils ont vendu leur maison et ils sont partis à la campagne. Donc, oui, j'ai attendu ça aussi. Mais avec, avec les satellites et tout ça, je pense qu'ils auront le contrôle partout. Mais il y aura des refuges. Le refuge, c'est dans l'Éternel. Moi, je dis l'Éternel est mon refuge. Il faut être fidèle au mieux d'un peuple babylonien, comme il était Sadrach, Mesach, Abednego. Et ils n'ont pas renié le Seigneur au milieu dans un peuple babylonien. Et le Seigneur les a gardés. Comme Daniel, il était aussi gardé dans une fosse, dans la fosse du lion. Il était gardé. Il pouvait, les lions, ils pouvaient justement le dévorer, mais le Seigneur, il l'a gardé. C'est-à-dire, il faut surtout dans ces moments, celui qui est saint, il se sanctifie de plus en plus et doit s'accrocher vraiment à l'Éternel. Et surtout, nous, la Keïla, on doit vraiment être plus que jamais unis. C'est vraiment le moment de s'exhorter les uns les autres et de se bénir les uns les autres. Ça, c'est très important.